Moi, il y a une manière de régler la sorcellerie. Hein. Moi, je n'expose pas les gens. Comme ça. D'accord. Je n'expose pas les gens, mais les avis publics, ça maîtrise beaucoup les choses. En matière de sorcellerie, on maîtrise beaucoup les choses. Excusez-moi. Ils ont un pacte de silence. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas dévoiler. Mais quand ils arrivent à parler ça devant tout le monde, ça maîtrise un peu la sorcellerie. Tu peux me faire un peu des aveux parce que c'est pour t'aider. Hmm? Qu'est-ce que tu as? Pardon, ton chocolat. Faut parler. Je dis, je fais la sorcellerie avec ma grand-mère et ma tante. Hein? Je fais la sorcellerie avec ma grand-mère et ma tante. Tu fais la sorcellerie avec ta grand-mère et ta tante, ça veut dire quoi? Bah, je les amène des gens. Hein? Et qui font du truc avec. Non, c'est lui. Viens ici. Tu l'as fait quoi? Ils les emmènent de loin et ils font des affiches sur des. Parle un peu. Toi, tu leur amènes des gens. Oui. Et puis, ils font quoi? Des affiches sur des. Ils prennent des trucs. S'il vous plaît. Ils prennent des quoi? Des organes, des trucs. Des organes, des trucs. Oui. T'expliques bien. Il faut que tu m'expliques plein, clairement ce que tu fais. Toi, tu envoies des gens. Oui. Ce sont des gens qui sont liés, qui sont membres de ta famille. Non, pas. Hein? Non. Donc, tu as la capacité de prendre des gens qui ne sont pas de ta famille. Oui. Et comment tu t'arranges? Bah, je suis avec des groupes et on fait des invocations et après, on les prend. Hmm? Je suis avec des groupes et après, on fait des invocations. Vous faites des invocations, ça veut dire? Bah, je ne sais pas, mais hmm? On fait des invocations et après, on les prend. Et comment vous arrivez à les prendre? Ils sont où? Vous les prenez? Là, chez eux ou je ne sais pas, quelque part. Et toi, tu arrives à aller chez eux les prendre? Oui. Comment tu t'arranges à aller les prendre chez eux? Ils sont où? Dehors, à la maison? Parce que là, chez je veux savoir. Chez eux? Qu'est-ce qui est chez eux? Bah, les personnes. Que tu l'as envie de prendre? Oui. Donc, tu les programmes, c'est ça? Bah, en fait, ils font une liste et après, bah, j'y vais. Ah, donc ils font une liste. Puis toi, c'est toi qui rentres en exécution, c'est toi qui... Non, je ne suis pas seule. Mais c'est ça, mais tu fais partie de ceux qui vont te tuer. Oui. Et tu en as tué combien de personnes comme ça? Dans les 300. Dans les 300 personnes. Mmh. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 300 personnes. Oui. Que tu arrives à tuer. Et quand tu tues, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 filmez pas. Ah, filmez pas, s'il vous plaît. Ah oui, filmez pas. Oui. Très bien. Hmm? Non, ça dit tu vois une personne qu'on entend de tuer. Toi, tu participes à la mort de quelqu'un. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? C'est ce côté-là, je veux savoir. Bah, des fois, je ne suis pas pure, mais après, si je ne le fais pas, bah, y a des conditions. Il y a des châtiments. Il y a des châtiments. Oui. C'est-à-dire, si tu ne tues pas, ils vont te châtier, c'est ça? Oui. Et après avoir tué la personne, qu'est-ce que toi, tu ressens? Rien, ok. C'est que tu as une véritable sorcière. Oui, parce que le côté sentimental les enlève, le sentiment les enlève, ça. Ce qui fait que ça ne te fait rien. Si vous voyez déjà un enfant, vous avez dans des difficultés, l'enfant, ça ne vous dit rien, l'enfant. Il n'a pas de sentiment d'un père ou d'une mère, mais ça ne lui dit rien. C'est déjà des gènes de la sorcellerie. Parce que le petit côté de maman, papa, ça doit ressortir. Or, c'est ce qu'ils tuent d'abord. Les gens tuent ça d'abord, détruisent ça. Et quand l'enfant est dans un système, on dit de prendre maman, ça lui dirait. On a rencontré quelqu'un vers Zaro, qu'on commençait. Le petit dit, j'ai attrapé mon papa. Mon papa dit, pourquoi tu m'as attrapé? Il dit, tu as laissé maman. Tu as laissé maman. Donc tu m'as laissé sur la maman. Je vais te manger. Le papa s'est mis en genoux, il dit pardon. On ne mange pas papa, il dit si, toi seulement. Toi seulement il te mangé. Ouais, toi seulement il te mangé. Tu vois le gars il pleure. Petit quoi, un enfant de 6 ans. Quelqu'un de 52 ans il pleure. Ah, parce que tu vois dans une manie, sauce claire. Aubergine frais sur lui. Ah, tu es à Boudjamon. Tu seras mangé par l'enfant. L'enfant dit, c'est manger. Le papa tremble. Oui, parce que ce côté-là, c'est pour ça qu'il faut prier les enfants. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie de la sorcellerie,
c'est de donner des choses aux enfants. Oui, ils sont là, ils me font un travail de fond. Donc tu es venu avec la sorcellerie quand tu es venu en France. Moi, tu, c'est ici que tu as la sorcellerie. Tu es venu avec ça. Et qui te l'a donné? La grande partenaire maternelle. Voilà. Donc tu as tué plus, vous avez tué plus de 300 personnes. Parce que quand on le fait publiquement, ça neutralise ce qui en elle. Et ça, c'est un secret que je partage. Voilà, ça neutralise parce qu'eux, ils aiment bien faire les choses en cachette. Donc tu. Maintenant, quels sont les dégâts? Tu as gâté qui, t'a fait quoi? J'ai essayé de faire ma petite soeur. Elle est où? Vous voyez ce qu'elle a fait? C'était pourquoi? La fille, la petite fille s'est retrouvée en urgence. Fais défiler, maman. Non, non, c'est la seule photo que je préfère. Et qui m'a moi-même personnellement choqué. Tu as fait quoi? C'est pourquoi? Bah, il voulait que j'enlève ses intestins. Enlever ses intestins. Parce qu'on mange les tripes de poulet, là, des moutons. Eh, sauce que Dieu nous. Qui a voulu que tu manges les tripes? Ma tante. Parce qu'elle aime pas la vie. N'importe un moment, donc elle t'a envoyé tuer la petite. C'était dans quel monde? Vous voyez? C'est encore plus choquant. Vous voyez comment la sorcellerie fait assez de dégâts autour de nous? Un matin, comme ça, la petite, sa maman se retrouve en urgence avec la petite. Parce que j'ai un esprit derrière. Les gens ne comprennent pas. Hein? Et si la petite l'a dit au blanc, c'est là, on dit, allez, arrête tes conneries, là, il est en train de m'écouter. Ils vont peut-être l'envoyer à Isi de fou, même, d'ailleurs. Donc, c'est toi qui étais à la base de ça. Comment tu t'es arrangé? Bah, je ne l'ai pas fait, du coup. Je l'ai rendu malade. Tu l'as rendu malade, comment? Je l'ai rendu malade, mais sans toucher à ses organes. Non, tu dis que tu voulais prendre l'intestin. Oui, mais ça n'a pas marché. Ah, mais là, tu expliques bien. Ça n'a pas marché. Mais tu as voulu prendre quand même. Et comment ça reprend l'urgence? Parce que là, elle était malade. Oui. Parce qu'elle a fait une crise. Qu'est-ce qui a provoqué la crise? J'ai fait une crise. Vous la voyez, non? Elle s'est écrit son visage. Ça, si elle s'est écrit là? Non. Ok. On se dit que son visage, c'est pas écrit sur le visage. Là, maman petite, ça va? Tu peux avoir ton numéro? Que la petite doit te montrer. Tu t'es quitté là, tu as compris. Vos yeux sont là seulement si les petites. Oui, et puis tu as fait quoi? Quand tu as gâté la vie de celle-là et qui encore? Il y a de plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui sont plus proches de toi? Ah, c'est fantastique, ta société a été dangereuse. Tu dis tous les gens sont pas là. Mais qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Je ne l'ai pas rendu malade. Je ne l'ai pas rendu malade. Tu n'as rien fait à ta mère? Non, je ne l'ai pas rendu malade. Non, je ne t'ai pas dit, je t'ai pas dit que tu l'as rendu malade. Qu'est-ce que tu as fait? C'est une question. Bah, en fait, comme ma tante, elle est dans l'idée, du coup, elle ne veut pas qu'elle fasse tout comme elle. C'est-à-dire, elle ne veut pas qu'elle fasse tout comme elle. Comme ma tante. Tu pas saisi. La tante, elle veut pas qu'elle fasse tout comme ma mère. Ta tante, elle est jalouse de ta mère. Et puis? C'est-à-dire, ma tante, elle a eu un mari bien. Ma mère aussi, elle a eu des enfants aussi. Elle a eu une maison aussi. Elle est venue en France. Donc, tu travailles avec ta tante? Hein? Vous êtes dans la même confrérie? Mmh. Ok. Du coup, bah, elle ne veut pas qu'elle se marie avec, le papa des enfants. Elle ne veut pas qu'elle se marie avec le papa des enfants. Et elle veut garder son travail aussi, mais ça, elle n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a elle veut pas que le père des enfants vienne le faire. Comment qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a vécu. Comment?
elle a caché le père de l'enfant, de ta maman, son mari, le père des enfants. Elle a caché où? Ça fait combien de temps le monsieur ne te rend pas visite? Ça va faire bientôt 2 ans. Hein? Ça va faire bientôt 2 ans. Il a eu des enfants avec toi, il ne cherche pas à savoir comment vivre les enfants. Ça, c'est chez nous au plaid, on peut faire ça. Lui, c'est un blanc en plus. Il ne cherche pas à savoir comment vivre les enfants. Il t'apporte un soutien quand même, financier? Non. Tu es là sans soutien? Ok. Donc c'est toi qui, c'est vous qui êtes à la base de ça. Vous ne voulez pas que votre mère soit... C'est ta propre mère. C'est ta propre mère. Non. Laisse-le côté. Je ne veux pas de ça. Tu as déjà dit, il ne fait pas de quoi parce que vous l'avez attaché. Quelqu'un qui a attaché, comment, quelle fois vous voulez qu'il fasse? Non, avant ça, je n'ai pas fait ce que. Maintenant, vous l'avez éloigné maintenant. Non? Oui. En quoi faisant? Mais je suis. Non, mais moi, j'aime bien qu'on répète quelque chose. Non, attaché. Attaché où? Deuxième monde, il a la tâche dans une maison. Donc le gars est là, mais il est dans la maison. C'est ça? Juste l'empêcher d'être en contact avec ta propre mère. C'est ma quel but? C'est pourquoi? Qui vient? Qui ne vient pas? Ça te casse la vie, toi? Ben non, parce que à chaque fois, ils disparaissent et tout ça. J'ai essayé d'arranger les choses, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé d'arranger les choses? Comment? Tu l'as défait. Non, ça, maman, je ne sais pas, mais je l'ai appelé une fois qu'il dit que j'ai venu. Non, laisse-le appeler. Il a attaché. Il a attaché, c'est ce que tu as dit. Est-ce que tu es arrivé à le défaire? Je suis en train de le faire. Tu es en train de le faire? Ça va prendre combien de temps? Dans ce temps, il a regardé bizarre, non? Hein? Quand il a attaché quelqu'un dans la maison. Le gars est coincé là-bas. Il est attaché. Il est dans son coin. Il est dans son coin là-bas attaché. Il se balade dans Paris là seulement. Oh, on dit qu'il est dans la cage. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent, près de l'emploi. C'est pas fait exprès. C'est la sorcellerie. Bah, le mari se gâte pas, bah, le monsieur fuit pas, bah, les choses. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc j'arrive à manger la chaîne. Et tu fais quoi? Je mange pas. Tu tues quand même. Oui. Tu tues les gens. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te fasse quoi? Bah, quitter parce que c'est pas la vie. Quitter parce qu'à chaque fois, maman, elle me suit de sorcellerie, de trucs comme ça. C'est parce qu'elle était sûre que tu l'as quitté? Non, non, pas. Non. Parce que je suis malheureuse. Tu es malheureuse comment? Physiquement, mais pas mal. Comment? Explique. Je peux pas expliquer ça, c'est... Mais j'aimerais que tu... Ouais, psychologique, j'aimerais que tu expliques un peu. Bah, c'est bon, j'arrive pas vraiment, je fais une blanche. Quand tu essaies de t'en là, tu n'as pas la vie de vie. Ça, c'est vas-y, donc. Mais c'est parce que du coup, je lis sur mon téléphone, je regarde sur l'ordinateur, du coup, je ne dors pas. Tu arrives souvent à se dire ton corps. Elle fait la sorcellerie. Pendant que je ne dors pas? Non. Tu arrives à sortir du camion de ton corps. Ça fait la sorcellerie. Est-ce que c'est parce que tu sors de ton corps, c'est ça? Oui. Tu sors de ton corps. Avant, tu cherchais, là, on t'appelle. Je viens me chercher. Et tu sors de ton corps. Ton corps est là et ton âme s'en va. Pour la sorcellerie. Et tu aimerais quitter ça? Donc, voilà, tu peux tuer quelqu'un qui n'est pas de ta famille? C'est ceci? Hein? Comment tu t'arranges à tuer quelqu'un? Parce que souvent on a appris que c'est quand mais de la même famille que toi qu'on peut, on peut te tuer. Mais comment tu arrives à faire tuer quelqu'un qui n'est pas de la même famille que toi? S'il vous plaît.
Comment tu arrives à le faire? Il y a des invocations. Des invocations. Oui. Je peux savoir un peu ce que tu dis. Mais oui, tu veux dire. Quand tu veux quitter, c'est ça? Oui. Là, tu veux rester dans cette conférence? Non. Bon, qu'est-ce que tu dis? C'est juste pour prendre. Je dis que c'est une cara à quoi? C'est une cara à quoi? Vous les prenez? C'est une cara à quoi? Ce sont des incantations que tu fais. Oui. Et ça donne cette capacité de faire quoi? Quand tu dis ça? D'enlever, oui. De sortir, d'enlever, de prendre. De prendre. Oh, okay. Et comment vous ciblez ce que vous devez tuer? Moi, je ne sais pas, je me demande. Ah, ok. Donc, quand tu donnes la liste, oui. Et toi, tu rentres en exécution. Oui. Donc, on peut te dire, tue le voisin et puis pars, tu le tues. Bah, si qu'est-ce que c'est ça? Tu le dans la liste, oui. Tu le dans la liste, oui. Oui. À chacun sa bouteille d'huile. Hein. Et donc, tu peux rentrer facilement dans la maison de quelqu'un, même si c'est fermé. Comment tu t'arranges? Comment? Et tu crois que tu as le pouvoir, toi? C'est un pouvoir qui te fait ça. Tu crois qu'il y a quelque chose en toi qui te téléguide? Mais je pense que si on... Moi, quand je fais des trucs, je suis pas maître de feu. Mais c'est ça, c'est ce que tu as envie d'expliquer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te pousse à faire ça. Ouais. Tu veux quitter? Oui. C'est toi qui le sens ou c'est la maman qui veut qu'on te donne? Non, c'est même pas, c'est même. Oui. Et pourquoi? Je veux déjà vu, je suis malheureux. Ici, je suis pas malheureux. Comment? J'ai un peu de compensation parce que ma mère me rappelle tous les jours. Oui. Non, quand tu dis ta mère te rappelle, ça ne veut rien dire. Moi, je pense que c'est peut-être que tu as un remords quand tu te poses un acte parce que c'est possible. Quand tu es dans une complémie, parce qu'on te pousse à faire poser un acte, tu tues. Mais après ça, il y a les moments de lucidité, c'est ça. La sorcellerie vient, les moments de lucidité, ils prennent conscience qu'ils ont posé un acte. Mais comme ils sont possédés, ils sont liés, ben voilà, quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la liste, elle fait exécuter. Elle n'a pas cette capacité de dire non. Donc, souvent la nuit, tu sors de ton corps. Mais oui, je souvent la nuit, tu sors de ton corps. Tu peux traverser une porte comme ça, fermée. Une maison qui est fermée, comment tu arranges à rentrer dans la maison? Comment? Je ne rentre pas dans les portes. Tu ne rentres pas dans les portes? Dans les murs? Comment tu fais? Je ne rentre pas. Ah d'accord, la fenêtre, les portes. Mais comment tu arrives à ouvrir la fenêtre? Moi je veux savoir les choses qui te délivrent. Mystiquement? Oui. Mystiquement. C'est la personne qui dort, ça ne va pas encore? Non. Et comment tu fais? Ce n'est pas comme ça que tu es en train d'ouvrir la porte et la fenêtre. Si? Oui. Tu sens qu'il y a des choses qui sont en toi, c'est ça? Je sens qu'on me contrôle dans le... Tu te contrôles? Oui. C'est plus fort que toi. C'est cette partie-là qui fait que nous autres nous aidons les sorciers. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est un enseignement, c'est pour dire, par moment il faut comprendre, il faut être tolérant. Les gens disent, ah non, vas-y. C'est moi qui l'en vais aller, vas-y. Ouais, souvent, ça réchauffe. Je suis revenu deux fois sur la question. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui passe. C'est déjà suffisant pour comprendre qu'elle est possédée. Parce que c'est cela qu'on dit que les sorciers sont malades. C'est une maladie. C'est une possession démoniaque. Donc, elle a besoin qu'on la guérisse. C'est possible.
Dieu n'est pas limité dans sa manifestation. Il n'est pas limité. Dieu peut délivrer un sorcier. Moi, je préfère délivrer un sorcier que de le tuer. Maintenant, si tu es en face de moi, que tu dis que ce que est en moi, c'est de la plaisanterie, et que toi, tu as un pouvoir, on s'affronte. Le plus fort gagne. Ça y est, t'es maté. Je veux m'amuser ce soir. Quand ils ont envoyé un jeune homme à Divo, j'étais en pleine prédication, le monsieur lui me donnait un coup de tête. Coup de tête piton. Bouh, la terre. Il s'est levé et la terre. Donc je laisse la prédication. Il y a un monsieur, vous verrez la vidéo, il faisait comme ce cobra. Ceux qui ont vu les vidéos. J'ai dit, monsieur, il y a quoi? Il est devenu quoi dans l'équité. On l'a envoyé. On t'a envoyé. Oui. Il est venu de Jitri. On l'a envoyé. Et on a donné 400 francs. Il veut dire 4, ça serait 4 milliards dans leur confrérie. Donc, il est venu, on l'a payé pour venir me tuer. Et il dit, oh, je t'ai traversé la brigade. Dans ma base. Tu as osé venir dans ma base pour m'attaquer. Non, le cœur que tu as là, c'est fort, hein. Non, 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 non. On va pas se louper. Toi et moi. Qui t'a envoyé? Tu es vaincu, oui. C'est parti. 4 jours, il est mort. On ne se moque pas de Dieu, tu vois là. On ne tente pas. Lui, il n'est pas là pour être délivré. Le monsieur, il est possédé. Il n'est pas là pour venir accepter Jésus. Il est venu accomplir la volonté du diable. Donc, je vais lui montrer qu'il y a la puissance en Jésus. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. C'est ce que tu as cherché là. Allez, va ça. Amen. Et il y a un autre qui vient. Il vient les pouvoirs mystiques. Lui, qu'on voit là, lui défie ça. Il a pris 7. Il va à Zaroko, il prend 7. Il venait faire des incantations entre le village des Zaroko. Et il y a un autre diable qu'on appelle Bakaku, il a commencé à faire des incantations et il est fou. Les gens pensent qu'il était malade, on envoie à l'hôpital, on fait toutes sortes de médicaments pour l'endormir, ça ne marche pas. Il dit, je veux aller chez le prophète. Je l'ai regardé, ça pose. Il dit, il est mort. Le monsieur, il est mort. Ah, il est mort. Il est mort. Ah, le jeune mort. Il est mort. Il est mort. Il est alors qu'il avait parlé. Il a parlé, mais c'est qu'il a cherché, il a touché. Quand il est tenté, il dit non, tu vas enlever le pouvoir. On l'a envoyé de Lakota. Or, dans ma région, là, c'est la région des les guidas de Divo, de Lakota, travaillent ensemble. Et il est mort. Oui, elle est levée de l'ouvrir, c'est ça? Lâche son âme. Tu vas partir. Et tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu m'entends? Libère-la. Libère-la. Libère ça. Maintenant. Allez.
libère sa vie maintenant même. La puissance est dans le sang de Jésus. Je vous encourage à chercher l'onction. Quand vous avez l'onction de Dieu, ça brûle tous les obstacles autour de vous. Amen. L'onction est un peu, c'est la prière, et la consécration, et la sanctification. C'est les trois choses. Il y a une onction. C'est un peu. Ah oui, c'est un peu. Mais que soit ce qu'il est, on n'a qu'à le mystique, on n'a qu'à le manger, lui, Satan. Ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est en moi. Amen. C'est tout. Et ça implique, c'est la sanctification, la consécration de la terre. C'est tout. Il n'y a pas un démon qui peut résister au nom de Jésus. Il n'existe pas. Amen. Or, elle a fait des aveux, mais elle est possédée. Elle vient, elle le dit, elle dit qu'elle n'est pas maître de sa volonté. Ça fait pitié. C'est pour dire que je suis en contrôle d'un esprit. L'esprit la contrôle. Or, elle a fait des aveux, elle est sincère dans ce qu'elle dit. À l'entendre parler, on sent qu'elle a fait des choses, mais je ne peux pas débarrasser. Si elle a fini de parler, il faut qu'on la délivre. Parce que si l'esprit ne sort pas d'elle, elle demeure toujours sous le contrôle, elle est sorcière. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui échouent. Ou bien tu lui dis, mon enfant, parle, parle. Si l'enfant parle, est-ce que tu as la capacité de le délivrer? Sinon, il n'a jamais fait des aveux. Or, ce qu'elle recherche, c'est de sortir de cette confusion. Donc, pour que l'esprit cède, il faut que l'esprit sente, il faut qu'elle parle. Et c'est cette sincérité-là qui maîtrise, qui fait que l'esprit devient impuissant. Parce que si elle ne parle pas, tu vas beau parler, si elle est zéro. Parce que la volonté, la délivrance, ça se désire. Hein. Et quand tu veux, ok, Dieu te délivre. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas fait de délivrance à Nazareth. Il n'a pas fait de délivrance à Nazareth. Vous comprenez? Parce que ça se désire. Tu peux pas forcer quelqu'un pour le délivrer. Si quelqu'un ne veut pas délivrer, tu ne peux pas le forcer. Vous êtes là ce soir parce que vous voulez être délivré. J'avais pris. C'est de veiller. Et c'est ça. Elle a décidé de parler et Dieu va la délivrer. Quitte sa vie. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Carré! Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une jeune petite fille. Si elle grandit, elle est ça. Hey, j'ai une copine. Elle est choco, hein. Donne-moi un bisou. Elle va boire ses bouts comme des guerres. Tout est brouillé à toi. Tu vois 0-0 quand tu vas. Mais monsieur, la tête là. Il allait donner bisous à un sorcier. Amen. Tout ça, tu vas avoir le discernement. C'est pas tout le monde en même bouche dans bouche, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Amen. Il y a des gens, il y a les sans connexion. Tu te connectes à la personne. Elle est une autre. Elle est son visage. Tu ne vas pas imaginer qu'elle est sorcière. Amen. Amen. Mais déjà à la maison, dans les actes qu'elle pose, on peut déjà ressentir des choses. C'est pour ça que quand vous allez avec quelqu'un, elle a le discernement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne marchez pas avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour vous. En français, il va dire, tu n'es pas prêt à te donner pour moi, là. Moi, je ne me donne pas pour toi. Quand vous lisez un peu le livre des rois, au temps de Salomon, les deux prostituées, l'autre, elle était prostituée, mais elle aimait, elle avait l'amour. Elle allait loger l'autre. Ils ont fait la même période, ils ont eu enfant. Tellement que les prostituées, on appelle les djangou, elles aiment boire. Elles sont les bois belles. Merci. C'est pas bon, Bosson. Prostituée, là, djangou, là, c'est belles. C'est pour tout ce qu'on appelle belles. Nous trouvons, on appelle ça cochi. Belles. Celui du bois belles, tous ceux du bois belles au pays, là, ils sont pauvres, ils ont des rites bizarres et vieillissants.
Jaune à main, quoi à main, ils ont les systèmes. Voilà, il y a tout ça, il y a les racines dedans, il y a les belets. Quand ils ont bu, c'est belet qui peut faire que tu as dormi sur l'enfant puis l'enfant va mourir. Parce que pour que l'enfant meure, l'enfant doit pleurer. L'enfant pleure, maman dort, l'enfant est mort. C'est l'enfant était saoulé. Quand tu peux dormir, puis dormir sur l'enfant, ça va être saoulé. Oh, belet là, ça peut te faire ça. La femme est morte. Elle se lève la nuit. Elle a dit ok. Elle a fait le troc. Elle a changé. Vous savez qui tu viens. Tout le changement s'est fait. Elle a fait le changement. Amen. Amen. Elle a fait le changement. La maman aussitôt aussi, on prend un enfant qui ne voit pas d'état. Belet. Elles se sont belettisées les deux. Elles sont belettisées. Elles sont dans le belet. Maintenant, il y a une question de pipi. Je vais les faire uriner, faire pipi. Elle regarde. Non. Et ça, les femmes, que Dieu bénisse. Vous avez l'intuition. Amen. Que Dieu bénisse pour ça. Amen. Il y a des choses, les femmes, on n'en a pas ça. Faut pas se blaguer. Nous, maintenant, on est orgueilleux. Si tu as une bonne femme, tu es convaincu de la femme, il faut l'écouter. Amen. Tu ne l'écoutes pas, tu auras les problèmes. Amen. Amen. Elle a regardé, elle a dit, Suzanne, on va laisser un musulman à part. J'ai dit, voilà là. Vous connaissez bouche de pute. Tu peux rien ça. Elle a crié, moi, mon enfant, j'ai un enfant. Non, tu ne peux pas être prostituée, tu ne peux pas. Elles sont affrontées en être abri. Elle est revenue pour dire pardon, Suzanne. Pardon. Tu as laissé un musulman, un enfant. Vous donnez ça là. Pas là. Ce qui est intéressant, la femme a dit, ça reste entre nous deux. Et je vous dis, elle a convoqué de mon livre. Amen. Il y a des situations, il ne faut pas que ça reste entre toi et le monsieur. Il faut aller à Jérusalem. C'est la présence de Dieu. Et le roi des rois, c'est Jésus. Il y a des situations, il faut monter. Laisse après des gens. Il faut monter, présenter ton Seigneur. C'est ce qu'elle a fait. Quand elle est montée, cette fois-ci, elle ne dit plus. Et Suzanne a dit la femme là. Ça veut dire, hein? J'ai vécu avec toi sans te connaître. J'ai vécu avec toi sans te connaître. Avec tous les services que je t'ai rendus, c'est ma monnaie ça. Je sens qu'avant d'inviter quelqu'un sur ton toit, il faut maîtriser cette personne. Amen. Ça s'impose à nous. Aujourd'hui, là, tu dois aller prendre l'avion, ils vont checker ta valise. C'est comme ça. Ils ont négligé sans vent, il y a eu problème. Aux États-Unis, encore, c'est grave. On te met dans un truc comme ça, tu as attrapé. C'est comme tu avais volé. Et puis ça t'escale. On est sorti de l'aéroport. À cause de la sorcellerie aujourd'hui, frère, il ne faut pas jouer avec ton intimité. Quand quelqu'un doit venir dormir chez toi, il faut te convaincre que la personne est délivrée. Tu n'as pas de mauvais esprit. Sinon, la même nuit, elle travaille la nuit. Pendant que tu dors, elle dit pendant que je dormais, elle a changé l'enfant. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça que je vous encourage de marcher ce qu'on a craint de Dieu. Lâche la voix de Jésus. T'as ta petite femme, elle t'a pas créé de problème, il faut rester avec elle. S'il te plaît. S'il te plaît, il ne faut pas aller chercher problème pour envoyer. Au moment où tu penses que là-bas est bon, là, c'est danger. Hein? Parce qu'ils ont cette capacité-là de vous attirer. Il y a une jeune fille à Grand Laou, en Côte d'Ivoire. Elle ne s'est pas dit non. Maman, ça va?
Je t'aime, elle dit, je t'aime. Tu m'aimes. Allons-y. Allons-y, allons dormir. C'est ça que tu cherches, non? Tu as cherché, elle dit, pourquoi t'es fatigué pour me draguer, pour rentrer, t'as de fatigué. Oh, tu la vois, elle est jolie. Tu m'aimes, c'est ça? Ok, mais arrivé là-bas, pendant que toi tu fais l'amour avec toi, avec elle, elle te sodomise. Qui est malade? C'est chez moi, t'as venu te sodomiser. Donc quand tu quittes là-bas, là, tu as coco, la nuit la sort. Quand tu vas aux toilettes, tu fais 9 heures dans les toilettes, comme une femme enceinte. Attends, tu vois? C'est qu'elle t'a montré la nuit. Tu rends témoignage sur le vaisseau. Un témoignage dangereux sur le vaisseau. Elle a détruit la nuit des gens dans le village. Elle a mis déjà. Elle a tout détruit. C'est un frère qui vit là. Tu vois son ami s'est détruit. Elle a tout détruit. Donc faites attention. Hein. Tout détruit. Tu pleures seulement. L'ami s'est assuré quand tu vas au toilette, tu pleures. Ah, c'est une merde du temps. Lâche, au nom de Jésus. Tu lâches ton âme. Je détruis ton pouvoir. Tends ! Allez, lâche ton ventre. Sors ! Lâche ton ventre. Tu ne connais pas quelqu'un, on ne sait pas qui peut draguer toi. Tu as tenté une fois et quand tu coupes à un mois. Toi-même, jour là, tu veux faire. Tu vas voir. Il doit quand même avoir une histoire. Non, ça a été difficile. Mais toi, tu ne fais pas ça, hein? Vite, vite, là. Il y a un problème dedans. Il m'a encore donné chap-chap. Elle a tout gâté. Gâté les amis des gens, elle a tout bougé les gens. Je dis, ça vous apprendra. Là, c'est comme ça, tu pleures. Tu as pris une joie, 20, numéro 25. Dans l'autre toilette. Enfin, quel Africain en bourgeois? On est né dans bourgeois. Il n'y a pas un enfant africain qui n'a jamais bourgeois. Quand tu mets, c'est ça en fait d'abord. Quand tu es possédé. Il y a des gens qui veulent voyager dans SA. La liste là, c'est ce qui met la voix du temps. Une aux États-Unis, SA. Lâche-la. Allez. Le feu de Dieu consume tes œuvres. Allez. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre. Lâche ton ventre.
au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez! Le feu se tue. Le feu de Dieu consomme tes œufs. Lâche-la. Allez, lâche-la. Au nom de Jésus. Allez, allez. Allez, lâche-la. Lâche-la. Allez. Le feu consume tes œufs dans ce corps. Là. Allez, lâche-la. Lâche-la. Libère-la au nom de Jésus. Tu dois la libérer au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Lâche ta vie. Au nom de Jésus. Le feu consume tes œufs dans ce corps. Le feu de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Allez. Allez. Allez, lâche-la. Le feu. Le feu. Allez, le feu. Allez, le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Dans ces corps, le feu consume tes œuvres dans ces corps, dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Si, lâche-la. Tu vas partir. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Allez, le feu. Le feu. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche ta vie. Lâche-la. Lâche-la. Libère-la. Si. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Hey. Libère-la. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu te libère maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Voilà, lâche-la. Va-t'en. Va-t'en. Libère son âme. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère son âme. Libère-la. Allez. Lâche-la. 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 Tu vas la libérer au nom de Jésus. Si. Si. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Quand vous rencontrez une personne qui n'est pas chrétienne pour une amitié et tout ça, et puis ton cœur commence à battre, il faut le fuir. Tu sais qu'il y a quelque chose dans lui qui n'est pas bon. Tu vas bien saisir. Amen. C'est les petits signes comme ça, les petits secrets que je partage aux gens. Ou bien quand tu marches dans la rue, on t'appelle, c'est pas bon. Deux ou trois fois. Zadi, le nom du bled. C'est ce qu'on te dit à Paris ici. C'est qui a sorti les lits. Pardon? Quand tu rentres dans une maison, qu'elle te l'achète de pouce, j'ai une présence. La puissance de Jésus. Lâche-la. 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 Tu vas la libérer. Voilà, va-t'en. 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 Allez. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en.
Lâche sa vie. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus te libère. Maintenant même. La puissance de Jésus te libère. Maintenant même. Maintenant même. La maison là-bas, il faut qu'on parle. Il y a des caméras et c'est un endroit, c'est leur abattoir là où tu es, ma fille. Voilà, il faut que j'arrive. La puissance de Jésus te libère. Sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Va. Va-t'en. Va-t'en. Libère-la maintenant même. Voilà, va. 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 La libère. Au nom de Jésus. La libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Lâche-la. Lâche-la. Sors d'elle. Allez. Le feu consume tes yeux dans ce corps. Le feu de l'esprit. Le feu du Saint-Esprit consume tes yeux. Va-t'en. Va-t'en. Tu la libères maintenant même. C'est un ordre. Tu m'entends? Un ordre. Va. Va. Va-t'en. Va-t'en. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus te libère maintenant. Ce corps ne doit plus être ton habitation. Tu quittes sa vie définitivement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Lâche-la. Lâche sa vie au nom de Jésus. Tu la libères maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Quitte sa vie. Lève-toi. 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 Rien. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment tu t'appelles? Je détruis ce qui est en toi. Je détruis ce qui est en toi. Et je lâche. 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 Allez. Lâche. Va-t'en. 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 Lâche-moi. Lâche-moi. Au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans ton cœur, dans ce corps. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Quand vous ne délivrez pas un sorcier, c'est un danger. Vous avez attendu plus de 300. Okay. 300 personnes. Donc, si elle n'est pas délivrée, elle va continuer de détruire les gens. Vous prenez ça pour qu'elle soit délivrée. Donc, quand on rencontre les sorciers, on peut faire les délivrer. La puissance de Dieu te délivre. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Lâche-la. Sa puissance de Jésus.
va? Salut, mon. Salut, mon. Salut, mon. Ça va? Ça va? Tu aimes ta maman? On a enlevé Nani Nani là, donc j'aime là. Bravo, frère. Procès. On a toujours besoin d'aide. Amen. Une fois que la chose sera dans son corps, il n'y aura pas de paix dans la maison. Il y aura toujours une division entre elle et sa mère. Parce qu'on n'a pas cette capacité de délivrer. Donc, tu auras la distance. Voilà. Amen. Nous allons reprendre la réception. Soyez bénis. Amen.